Quand l'aube est venue l'aurore, quand l'aube est venue l'aurore, planto sana gallardo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mondus Bellicus, cité forum francophone de jeux d'histoire, de stratégie, de tactique, mais aussi de petite perle comme Mountain Blade Warband, c'est long petit patapon. Aujourd'hui c'est le chapitre 3 de la campagne Perla Sand et l'offert sur la sur le mode 1429. La guerre de 100 ans version 96 de Fantasy Warrior. Alors, on va aller à la forteresse de Carcassonne et on va demander à entrer au château, oui, et nous allons nous reposer ici quelques temps parce que la dernière bataille nous avait bien secoué. Et donc, il faut remonter le niveau de vie. Alors après, j'irai à Rochefort pour essayer de tuer ce bandit. Alors, maintenant on regarde dans quel état on est. 64%, ouais. On continue. On reste ici à se reposer. L'aube va arriver. On va recruter des écuyers. Voilà, recruter des écuyers. On les prend. Partir. Nous avons 1319 écus et je paie 296 par mois, par semaine, pardon. Alors, on va partir sur Toulouse, mais je pense pas qu'on puisse y rentrer parce que... Ah, c'est quoi ça? Déserteurs, miliciens. On se les fait? Allez, on y va. Nous sommes les compères libres de cette guerre interminable. Désormais, nous combattons pour notre propre compte. Maintenant, donnez-nous votre or et goûtez nos lames. Quand j'en aurai fini avec vous, vous regretterez d'avoir déserté. Attaquez l'ennemi. La cavalerie, vous me suivez. Oh. Qu'est-ce qu'ils font là? Allez, on les prend. Cavalerie, chargée. Ah, je le loupe. Je le loupe et lui il me touche mon cheval. Putain, foiré va. Tiens, prends-toi ça, toi. Et ça. Attends, on arrive. On va s'occuper du dernier là. Voilà. Victoire. Ah non, il en reste encore un. Hein. Allez, ils vont mourir. Là. Victoire. Bien joué, les enfants. Bravo. Victoire. Bien. On va peut-être recruter. Ah, par contre, aucune perte en plus. Parfait. 6 miliciens, on pourra les vendre. Et on récupère un bassinet et un bouclier. Parfait, ça. Retour. Des soldats sont prêts à être promus. Milicien qui va donc devenir fantassin. Et un fantassin qui va devenir un fantassin lourd. Allons voir François. Ok. Gaëtan, il a une belle armure. Tiens, par contre, toi, Stéphane, pardon. Parlez. Laissez-moi voir votre équipement, camarade. Je vous mets ça à la place. Voilà, ce sera mieux. Et un bouclier comme ça, peut-être? Non. Ouais, allez, ça peut servir. Retour. On continue à avancer, camarade. Donc, je voulais essayer d'aller à Toulouse. Et ouais, vous êtes à l'extérieur de Toulouse. Ce bourg est temporairement sous contrôle royal. L'endroit est occupé par les troupes hostiles. Et ouais... On peut pas franchir les portes sans encombre. Alors approchez, appelez les gardes, sollicitez une audience. Il n'y a personne que je connais. Pas de chance. Ok, on va essayer la même chose à Bordeaux alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Maraudeur basque. Allez, on y va les gars. Ah,
qui est annulé, libérer un prisonnier. Bon, bah, de toute façon, hein. Le duché de Bourgogne et le royaume de France ont signé un accord de paix. Ok, d'accord. Et toi, je vais t'avoir ou pas? Ouais! Comme les voyageurs sont fréquents en ce moment sur ces chemins, je dois vous avertir que cela augmente d'autant plus les dangers pour un brave homme comme vous. En échange d'une modeste rétribution peut garantir votre sécurité, qu'en dites-vous? Le métal le plus précieux que vous verrez sera celui de ma lame, mes créants. Allez, on est 25 contre 15, on les attaque. La cavalerie, vous me suivez. Les archers. Reculer de 10 pas. Infanterie, resserrez les rangs. Cavalerie, vous me suivez. Archer, vous allez là. Allez. Cavalerie, on charge. Allez. Tiens. Oula, j'ai morflé là. Barre-toi. Normalement, ça devrait être gagné. Contre qui on court encore? Ah, il y en a un qui est encore vivant là. Victoire! Vive la France! Vers la sang et le fer! Encore une victoire. Par contre, là, j'ai eu des morts, deux tués. Je me suis mal pris. Maraudeur basque. Clac, prisonnier. Oh oui, ça c'est bon ça. 28-5, ça c'est pour moi. Ça, ça va là. Ça va remplacer ça aussi. Ça en prend. 39. Arme d'astre sans bouclier. Donc est-ce que je peux le... ouais, bon, alors attends, est-ce que je peux le prendre? Les stocks 30, 36, 39. Voilà, ça c'est bon. Ça en prend. Ah non, par contre, on va prendre à la place de ça. Et ça, on va le prendre à la place de ça. Ok, retour. Alors, on a des soldats qui peuvent être promus. On a un milicien qui va devenir, même deux, qui vont devenir fantassin. Et là, fantassin lourd. François, parlez. Laissez-moi voir votre équipement, mon cher. 21-5, 28-5. Tiens, c'est mieux. 19, non, là il n'y a pas mieux. Hein. 29, 32, ah, 32, 47, ouais. On continue à avancer, on va voir le gars Gaëtan. Parlez, laissez-moi voir votre équipement. 26, 3, est-ce qu'il n'y a pas mieux? 28, 5, hop, voilà. Il y a peut-être mieux que ça, non? 39, c'est pas mal. Et là, 48, j'ai pas mieux. Ah, peut-être 4, 12, tiens, prends ça. On continue à avancer. Stéphane, parlez. Laissez-moi voir votre équipement. Donc 15, 12. Pardon. Ouais, 15, 12. 26, 3. 26, 3. Tu vas prendre ça, mon gars. Et là, tu as 42. Donc là, il n'y a pas mieux non plus. Et les flèches, plus 1 aux dégâts, moins 2. Donc, et ton arc, 15, 18. Ah. C'est bon, ça. On continue à avancer. On regarde Catherine. Laissez-moi voir votre équipement. Là, je pense que j'ai mieux. 17, ouais. Et là, 23, 9. 26, 3. 28, 5. Allez, tu vas prendre ça. Et là, 19, 20, 22, 32, 26. Tu vas mettre ça. Toc. Toc. Ici, 3 à la protection. 4 à la protection. Ça, c'est mieux. J'ai pas d'arme autre à te donner. Non. Allez, on y va. On continue à avancer. Je suis blessé à 64% quand même avec toutes ces conneries. Qu'est-ce qu'on a là? Retondeur 18. Pff, non, on se barre. On va aller à Bordeaux. Essayer. Oh putain! Maraudeur basque. Le métal le plus précieux, vous serez celui-là ce sera celui-là de ma lame. Nous sommes 18 contre 16. Ça va être chaud. Attaquer l'ennemi. Ok, on reste là. On est moins nombreux. On reste là. Cavalerie, vous allez ici. Archer, ici.
Cavalerie, vous me suivez. Suivez-moi, la cavalerie. Oh non, 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 cavalerie, suivez-moi, j'ai dit. Ok, infanterie, vous serrez les rangs. Archer, vous avancez un petit peu. Et ordre de tir. Non, pardon. Archer, ordre de tir, feu à volonté. C'est pas gagné, ça. Hein. Allez, la cavalerie avec moi. Ouah, je suis passé entre les deux. Tiens, fou, c'est chaud. Alors là, par contre, j'ai mes cavaliers qui vont prendre. Il faut aller les aider. Infanterie chargée. Tiens. Voilà, les cavaliers se font tous démonter, mes chevaliers, là. J'espère que j'ai pas eu trop de morts. Avec ces putains de piquets. Maraudeur. Victoire. Berlassant et l'offert. Alors, et ouais, j'ai deux tués, deux écuyers, putain, pas de chance. Bon, ça, je peux pas en prendre plus. Je sais pas qui rapporte le plus. Bon, on va laisser comme ça. Et ça, je peux pas. Ah, d'accord. 142, 145. Ça, ça dégage. Ça, on prend ça à la place. Allez. Bon, ben, peut-être ça, 37. On prend ça à la place. 72 contre 92. Ouais, allez, toc. Allez, c'est parti. Direction donc Bordeaux maintenant. En espérant. Ah, oh, il y a encore les autres qui nous attaquent. Encore des maraudeurs. On se bat. Vous avez 15 hommes en état de se battre contre 11 ennemis. Allez. Cavalerie, vous me suivez. N'allez pas vous empaler dedans. Venez derrière. Venez ici les cavaliers. Allez, maintenant on charge. Toi, t'es mort. Cavalerie chargée. Il faut les achever maintenant. Il n'y en a plus qu'un. On se le fait. Voilà. Ça leur apprendra. Victoire. Un tué, un blessé. Un cavalier, un infanterie. Un fantassin de France. Bon. On confirme. Ah ouais. 39-11. On le revendra. 104. 71. Tac, on prend ça. 39, on prend ça. Ah, maintenant, il n'y a plus intérêt. Ah, je voulais aller à Bordeaux. Voilà, alors, approchez les portes et appelez les gardes. Sollicitez une audience. Nigel Loring, voilà. Votre requête est transmise et finalement, le Nigel Loring apparaît dans la cour afin de discuter avec vous. Continuez. Je suis le Ronde de Père Vanquera. Je suis Nigel Loring, vassal d'Angleterre et seigneur du pont de Bordeaux. Je vois que vous portez une bannière de la noblesse, mais je ne reconnais pas l'emblème. Pardonnez mon ignorance, messire, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Je souhaite faire la paix avec le royaume d'Angleterre. Je pourrais utiliser mon influence pour votre pardon et le rond de Père Vanquera, mais certains me considèrent comme un ennemi et ne seront pas satisfaits, à moins que vous ne payiez un tribut. Globalement, vous devez apporter au moins 250 écus pour obtenir la neutralité du royaume d'Angleterre. J'ai l'argent. Voilà. Je ne suis plus un ennemi du royaume d'Angleterre. Ce qui veut dire que je vais pouvoir aller à Bordeaux. Parfait. Me balader sur la place principale.
donc à Bordeaux. J'aimerais bien trouver le maître de guilde après tout. En plein camp anglais. En personne. Oh pardon. C'est-à-dire que j'étais en train de faire autre chose en même temps. Alors, on va trouver ce maître de guilde ou pas? Ah, le voilà. Avez-vous un travail pour moi par hasard? Je cherche un aventurier doté de compétences similaires aux vôtres. Il y a ce groupe de bandits particulièrement gênants. Ils ont infesté les environs de notre ville, ils attaquent les caravanes, ils ont réussi à éviter tous les soldats et toutes les milices jusqu'à maintenant. Si quelqu'un ne les arrête pas bientôt, je cours à la ruine. Je n'avrai pas pour le moment, je vais revenir tout à l'heure. Alors, allons à la taverne. Je reviendrai tout à l'heure parce que d'abord je veux me reposer, le vieil aventurier. On s'en fout pour le moment. Le voyageur, cavalerie mercenaire, ça me... Combien? 1200 écus? Non mais attends, ça va pas non? Bien trop cher. Alors, allez, place du marché, commercer avec le forgeron. Et là, par contre, il n'a pas beaucoup d'argent, lui. Tac, 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 tac. 205, bon, en même temps, ils ne vont pas grand-chose. L'armurier, 1140, il a. Allez, 46, 60. On va essayer de vendre tout ça. 391. 251, non, il ne vend pas grand chose. Hein. Il ne leur prend pas grand chose. Allez, on prend. Faire demi-tour. Je voudrais voir en quel état on est. Moi, je suis à 69%. On va monter le fantassin. On va monter l'écuyer en chevalier. Le fantassin en fantassin lourd. Ok, et moi, je vais rester ici quelques temps. Histoire de remonter de niveau. Alors, on en est où là? Alors, je suis remonté à 100%. Ok, François il a 53, mais ça ira. Mais maintenant, du coup, on va aller parler au maître de guilde. Quel est-il de travail que vous m'aviez proposé? Ah, vous voulez encore y réfléchir? Bien, je paierai 80 écus si vous pourchassez les bandits. Fauteur de troubles. C'est un travail dangereux, mais je crois que vous êtes de l'homme qu'il me faut. Qu'en dites-vous? Je traquerai ces bandits. C'est parti. C'est parti. Ils sont là, 29. C'est parti. On va se les faire. Tac, on est dessus. Si vous ne combattez pas la mort, vous devez vous rendre. Il y a de l'imprudence à m'interpeller ainsi. Que voulez-vous? Ah, on va te tuer. Voilà. Alors, 28, vous avez un homme en état de se battre contre 29 ennemis. Aïe, 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 aïe. On y va, mais ça va être chaud, hein. 3, F1, F2, vous me suivez les cavaliers. 3, F1, F3, on charge maintenant. Oh là là, on va se faire démonter, oui. Il y a intérêt à pas se chier dessus. Surtout, je suis en train de tout louper. Un tué. Deux tués. Loupé celui-là. On n'est pas sûr de gagner là. Si, si, c'est bon, les démons. Ouf! J'étais pas sûr de gagner là sur le coup. Bien joué les gars. Ok, un seul blessé, Catherine avec blessure, bien. Alors 14 pillards de prix. Ah, j'ai pas trouvé de rançonneur là. Oh oh, intéressant ça. Des chevaux. Alors ça on prend, ça on prend, ça on prend, ça on prend. Ça c'est intéressant les chevaux parce que je vais pouvoir en équiper mes compagnons.
Alors voyons d'abord inventaire. Celui-là, il va à 41. 41, il y a une charge de 10. Charge de 10. C'est tous les mêmes. Hein. Ok, alors, groupe. François. On va le passer en cavalerie. Et on va lui parler. Laissez-moi voir votre équipement. Et on va te donner un cheval. Voilà, te voilà cavalier, mon gars. On continue à avancer. On a un milicien bourguignon qui va devenir vétéran. Un milicien qui va devenir deux mêmes qui deviennent fantassins. Toi, tu vas monter à cheval. Laissez-moi voir votre équipement. Tac, te voilà cavalier, Gaëtan. Et au sujet de vos compétences, on va te monter la force. Tac. Arma humain. Allez, hop, confirmé. Par contre, Gaëtan, il faut donc que je te mette en cavalier maintenant. Voilà, fermé. Fantassin de France, 2 en fantassin lourd, c'est bon ça. Catherine, elle est toujours blessée. Et moi aussi, je monte. Alors, personnage, je monte. Je vais monter mon agilité. Gestion des prisonniers, tiens. Allez, go. Alors, maintenant qu'on a éclaté cela, on est où au niveau de cette quête? Traquer les bandits. Bon, ça c'était Montpellier. Les bandits gêneurs, les 30 jours. Et donc, il en reste encore. Non, c'est réussi. Alors, on va aller les voir. Le maître de guilde. Bien, 80 écus. Parfait. Vous avez un autre travail pour moi? Cargaison de cervoise. Où ça? À Rennes. Je ne vais pas à Rennes pour le moment. Et puis de toute façon, je pense que je n'ai pas assez de... Ouais, c'est ça. Je n'ai pas assez de place dans mon inventaire. Ah merde, c'était les flèches à plus combien ça? Plus 1, ouais, ouf. Toc, avec l'armurier qui a plus beaucoup d'argent lui non plus. Allez, on fait de l'argent pour le moment. 282. Ok, le grossiste, on va lui prendre un petit peu de ça. Voilà. Faire demi-tour. Allez à la taverne. Est-ce qu'à la taverne, on a un rançonneur, un voyageur, un marchand de livres, un pilier de taverne? J'ai pas l'impression qu'il y ait de rançonneur. Il n'y en a pas. Bon. Eh ben, on se casse alors. Partir. On est comment au niveau du groupe là? Ouais, il y a pas mal de blessés quand même, donc on va passer la nuit ici. Voilà. Allez, oh, un tournoi. Ah bon, on va rejoindre le tournoi. Il y a 4 équipes avec 5 combattants dans chaque. Eh ben on y va. Allez. On aurait mieux fait rester groupés les enfants là, je crois. Tiens, prends-toi ça, toi. Ah, j'aurais dû niquer le cheval, toi. Bing. Bing. Allez, à toi là. Ah, prends-toi ça. Tiens, et toi, tu prends ça, 8 points d'expérience pour moi. Oh putain, là j'ai morflé. Ah, ça y est, je morfle. Oula. Oui, il a l'air costaud celui-là. Ouf, ah bah oui, mais à 3 contre moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais bon, vous n'êtes pas été le meilleur dans cette lutte, mais le maître de cérémonie vous permet, par votre bravoure et votre adresse au combat, de prendre part au tour suivant. Bien, alors on va combattre. Il y a 2 équipes avec 3 combattants dans chaque. C'est parti. Ah, j'aime pas ça. Pas ces lances de merde. Et en plus, j'y vais pas. Ah, il a touché mon cheval, ce salaud.
Tiens. Tiens. Ah, il a touché, il a abattu notre... Ah, un autre cheval. Il a battu. Oh pff. Foiré. Allez, abat-le, toi. Atteint niveau 6. Oula, attention. On est passé. Bravo, les enfants. Bravo, bravo. Alors, la victoire est votre. Vous avez remporté ce combat. Préparez-vous maintenant. Il y a... Pour le tour suivant, vous êtes au tour 3 du tournoi. Il y a 16 participants. Deux équipes avec 7 combattants dans chaque. C'est parti. On est donc à pied avec une hache à deux mains. Donc si on peut exploser quelques chevaux. Ouah, je me suis foutu au milieu comme un con. Ah, part dans le dos. Oh, bon, on s'est fait démonter, oui. Vous êtes éliminé du tournoi. Bon, bah c'est bien. Se reposer ici quelques temps parce que je pense que le lendemain il va y avoir un second tournoi. En général c'est sur deux jours que ça se fait. Il y a plein de bonhommes qui se baladent, on pourrait les éclater, mais bon, allez. Plein de bandits, tout ça là. Allez, le lendemain. Ah bah non, il n'y a pas. Bon, il n'y a pas. Partir, quoi, peut-être parce que c'est l'aube et pas le petit matin. Non, c'est fini. Donc on se casse. Alors, on se casse et là on a quoi? Des maraudeurs basques. On va essayer de se les... Oula! Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Des déserteurs, des maraudeurs basques. Ah ouais, mais j'ai plus que 21 soldats, moi. Bon, se fesse. Dans mon groupe. J'ai eu pas mal de morts, donc qu'est-ce qu'on a là? Des maraudeurs basques encore. Ici, des maraudeurs basques. Allez, de toute façon, c'est vers le chemin d'eau. Sur qui je suis tombé là? 21 en état de se battre contre 16. On les attaque. Alors, F1, F2, la cavalerie, vous me suivez. Oula. Et la cavalerie, vous chargez maintenant. Ah, dans le dos, bien joué. Merde, j'ai cru que je l'avais. Ah, toi, t'es mort. Ah. Foiré, va. J'ai l'impression qu'on a des pertes, quand même. Tiens. Victoire, mais... Pas sûr qu'elle soit si éclatante que ça. Hein, on va bien voir. Et ouais, 2 tués, 5 blessés. Et puis eux, on les prend. On prend 5 du moins. Alors, direction Rochefort, en espérant qu'il n'y ait pas d'ennemis encore là trop autour de nous. Parce que on n'est plus forcément au taquet au niveau... Eux qui nous suivent là, putain, les retondeurs. Au niveau santé, j'ai l'impression. Oh oh oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi ils vont plus vite que moi? Non, c'est bon. On va camper. Fin de soirée, c'est bon, il n'y a personne. Et on va aller à Rochefort. C'est bon, ce sont des paysans en Rochefort et moi je peux monter de niveau. J'oublie souvent ça. On va monter l'intelligence. Persuasion et repérage. Et arme d'ast. Voilà. Allez, Rochefort. Aller au village, puisque ici on vient chercher un bandit que on va essayer de trucider. Alors, pour Jean Hollande,
ça, c'est pour gagner de l'honneur. Alors, où c'est qui peut bien être ce con, sans doute derrière quelqu'un, un truc comme ça. Où est-il caché, hein? Ah, regardez-le. Au milieu des choux. Alors, homme nerveux, parlez. Que voulez-vous? Je recherche un criminel du nom de Ramar, longue jambe. Vous correspondez à sa description. Je ne comprends pas, messire. Je n'ai jamais tué personne. Je pense que vous faites erreur sur la personne. Alors lâchez votre épée. Si vous êtes innocent, vous n'avez rien à craindre. Maintenant, nous allons partir et parler à vos voisins. Et s'ils confirment votre histoire, je reprendrai mon chemin. Soyez maudits, je n'irai nulle part. Pas de problème. De toute façon, je n'ai besoin que de votre tête. Allez au diable! Ouais, c'est toi qui vas y aller avant moi. Hop. Regarde ça. Oui, enfuis-toi, ce sera encore mieux. Pof, prends ça. Aïe. Bon, oh, que se fait-ce? Qu'est-ce que c'est, ça? Des tombes. D'accord, on va pas les piétiner, les tombes non plus. Hein. Voilà. Je te l'avais dit, t'es en enfer avant moi. Allez, maintenant, faut trouver Jean Hollande. On va aller au donjon de La Rochelle. On demande à entrer au château. On continue et on se repose ici. En plus, après, on ira chercher Jean Hollande. Nous courons après lui pour gagner de l'honneur. Alors... On en est où là? 86%. Fantassins de France qui peuvent monter 2 fantassins lourds. Ok. on reste ici encore pour une nuit. Ok. Alors, recruter des... Voilà, on va les prendre, même si c'est des Anglais, tant pis. Se rendre à la grande salle, et on va demander où se trouve Jean Hollande. Merde, il n'y a personne. Bon. Il y a un personne... Qu'est-ce que nous avons là? Des bandits de grand chemin. La bourse ou la vie, mon gars, et pas le geste brusque où vous rentre dans l'art. Ouais, vous ne tiendrez rien de moi que la lame de mon épée, vermine. Allez, on attaque. Les archers, les cavaliers, vous me suivez. Voilà. Et les archers, vous allez rester ici. Cavalier, suivez-moi. Allez, chargez-moi ça. Ça va être un massacre. C'est un massacre. Voilà, bien joué les gars, belle victoire, hop, aucune perte pour moi, bandit de grand chemin, mais je peux pas le récupérer, par contre je peux récupérer ça, il n'y a pas grand chose, mais on pourra le revendre, ça fera toujours un peu d'argent, d'ailleurs ça on peut dégager, on peut prendre ça, ça à la place de ça, et ça ici, voilà. Allez, retour. Pour aller à Angers, peut-être. Ah ! Putain, il y a encore des retondeurs qui nous courent au cul. Ah, ça va. Allez, un petit tour à Angers.
En espérant trouver un... Oh oh, c'est quoi ça? Ah, messire, est-ce que vous sentez le bon air pur? C'est François qui parle. Le parfum de la liberté. Jeune, j'ai passé nombreux d'étés agréables. J'avais l'habitude de jouer dans les jardins de la famille de ma mère, pendant que mon père, lui, était ailleurs en train de travailler durement. Dites-moi plus, mais bon, tout cela est du passé. Je n'ai aucune vie d'en parler, en tout cas pas maintenant. Ben alors, me fais pas perdre mon temps, putain. Alors, Angers, on va se balader sur la place principale. Comme ça, ça va nous permettre de trouver le maître de guilde, mais surtout d'admirer les graphismes qui sont bien sympas. Ah, le maître, il est là. On ne pourra pas aller bien loin. Et à cheval. Oui. Alors. Voilà. Auriez-vous un travail pour moi par hasard? L'un des marchands d'ici recherche quelqu'un pour mener son bétail à Orléans. 182 écus pour amener le bétail. Moi, je prends. Hein. À Orléans, en plus. Allez, petit tour à taverne. Ce serait bien que je puisse vendre mes prisonniers. Qui est donc un rançonneur. Un rançonneur, parfait. Alors, salutations. Vous semblez quelqu'un qui gagnera à me connaître. Pourquoi cela? Je demande une rançon pour les pauvres bougres capturés au cours de ces guerres sans fin. Normalement, je suis commissionné par ceux dont les proches ont disparu. Mais entre deux missions charitables, si je tombe sur un comparse traînant des chevaliers, des prisonniers, il n'y a pas de mal à faire un petit investissement personnel, potentiel, n'est-ce pas? Et vous semblez être le genre de personne qui pourrait avoir des prisonniers à vendre. Ouais, prépare ta bourse, j'ai des prisonniers à vendre. Routier, vendu, routier, vendu, milicien, vendu. Maraudeur, vendu. Bien. Je reste ici quelques jours. Venez me revoir si vous avez besoin de mes services. D'accord. Là, nous avons quoi? Des cavaliers mercenaires. 3 pour 1064. Vous êtes un peu cher, cher ami. Au revoir. Donc, nous devons aller amener ce troupeau de vaches. Allez les vaches, à Orléans. On y va. Nous voilà partis. Qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas eu le temps de voir. On va camper ici. Espérons que les vaches arrivent. Yes. Arrêtez le troupeau. Campement. Allez, on repart. C'est quoi ça? Déserteur. Hop là, non, on va récupérer les vaches, on va les perdre sinon. Oh oh, 47 écorcheurs. Ils me fuient ou ils me suivent? Ah, pas bon. Faites avancer le troupeau. Il va me pourchasser. Non, c'est bon. Enfin bon, là, s'il y a de l'anglais. Si la troupe anglaise pouvait lui tomber dessus, non. Mais bon. J'ai l'impression qu'ils m'ont oublié. Qu'est-ce qu'on a? Encore des écorcheurs, putain. C'est pas bon ça. Allez, sprint. Magne-toi, ils sont quand même pas mal. Ils sont 26. Oh oh, il y a des Français qui se battent contre des Anglais là. Voilà, et tous ces soldats là, ils vont s'enfuir. Ils vont s'enfuir. Alors lui. Il y est, ok. Alors, allons faire un petit tour dans la ville d'Orléans. Parler au maître de guilde, qu'est-ce qu'il a à me proposer, lui? Bonjour, Alron de Perenquera, savez-vous du travail pour moi? J'ai quelque chose pour vous. Il n'y a pas si longtemps, des combats sont déroulés alentour de la ville. La confusion qui en a résulté a poussé certains hommes peu scrupuleux à se faire une petite fortune en profitant de la situation pour piller les fermes et les boutiques des environs. Ces brigands ont dérobé nombre d'objets de valeur. Il nous faut quelqu'un qui soit capable de leur donner une bonne leçon. Non, pour le moment, je ne suis pas intéressé. Partir. Oui, on peut recruter des miliciens. On prend. Aller à la taverne. Une ribaude, ça ne m'intéresse pas. Un spadassin, ça ne m'intéresse pas. Quoique. 4. Désolé, je n'ai pas besoin d'autre homme pour le moment. Quoique.
Non. On va se rendre au château, tiens. On va voir s'il y a une petite mission à nous confier ici. Qui c'est celui-là ? Jean de Beuil. Je vous connais, je suis le comte de Pervecquer. Je suis Jean de Beuil, vassal du royaume de France et seigneur de forteresse de Chinon. Je vois que vous portez une bannière d'un homme et je ne reconnais pas cet emblème. Peut-être êtes-vous le bâtard d'un fils, d'un de ces voleurs de bétail plein de suffisance. Ou peut-être l'avez-vous volé. Foiré, va. Alors, je traque un groupe de bandits. Non, rien du tout. Avez-vous une tâche quelconque ? J'ai promis au dauphin Charles VII de recruter une compagnie de mercenaires, dont pour le moment, je ne suis pas intéressé. Je dois prendre congé. Toc. Partir. Bourges, Tours. Alors, on va faire un petit tour à Bourges. En faisant gaffe de ne pas tomber encore sur des bandits ou des conneries comme ça. Ah, où c'est qu'il y a ça se bat ici. C'est de l'anglais contre du français, ça, ouais. Une caravane française qui est en train de se faire dépouiller. Oh putain! Écorcheur, je les avais pas vus. Oh là 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 là! Je le retire, je me retire et je laisse des soldats derrière. Partir, le sacrifice en sauvera peut-être d'autres. Putain, je l'ai pas vu, lui. Bon, bah, j'ai perdu des troupes. Oui, capitaine, nous sommes près de chez moi. Je le vois au paysage et aux vignes qui ornent les versants des collines. Je n'ai pas eu une enfance très heureuse, mes parents étant très pauvres. J'ai dû me mettre au travail très tôt. De toute façon, tout le monde souffrait ici de ces famines à répétition et de cette peur que la peste ne fasse à nouveau son retour ravageur. On n'a pu survivre que grâce aux raisins et aux doux liquides qu'on en tirait. Et puis un jour, une compagnie royale a fait halte dans notre village pour engager des hommes de main. J'étais subjugué par ce que racontaient les recruteurs. Ils promettaient monts et merveilles, de l'alcool à flot, des femmes sublimes à nos pieds. Engagez-vous, qu'ils disaient. Je l'ai fait, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de mercenaire. C'est bien. Alors, approchez et appelez les gardes. Sollicitez une audience. Régnez pote. Votre quête est transmise et finalement, le régnez pote apparaît dans la cour afin de discuter avec vous. Quel est votre nom, messire ? Si nous devons nous affronter, je veux savoir qui je combats. Je suis Héron de Pervenqueras. Je suis régnez pote, vassal du duché de Bourgogne et seigneur de Bourges et fort de Troyes. Vos exploits vous précèdent. Peut-être devrions-nous mettre à l'épreuve votre bravoure dans un tournoi ou sur un champ de bataille. Alors, je souhaite... D'abord, est-ce que vous les avez vus, eux ? Non. Je souhaite faire la paix avec le duché de Bourgogne. Voici les 250 écus que ça me coûte, mais maintenant, je peux donc rentrer dans la ville de Bourges sans problème. Alors, on va aller se balader sur la place Gordon. On va essayer de ne pas se faire défoncer encore une fois par l'instructeur. Et ainsi, essayer de rentrer dans cette fameuse compagnie sans lice. On va s'équiper, hein, puisque maintenant on sait ce qui nous attend. Instructeur. Tiens, mais qui voilà, notre vieille connaissance. Déjà de retour, tu te moques de moi. Soit, si tu veux une autre chance, tu es autorisé à passer le test à nouveau. Je suis prêt. Tu sais comment ça se passe maintenant, vitesse, force et précision. Ouais, je sais comment ça se passe maintenant. Voilà. Vous avez passé l'épreuve avec succès, retournez voir l'instructeur. Hein ? C'est pas trop mal pour un débutant, me voilà rassuré. Tu sais tenir une épée, une qualité indispensable pour nous, et la force... Et pour nous et la force, va au fond de la cour détruire les trois mannequins en paille que je vois comment tu t'y prends. Les trois mannequins en paille, ce sont eux. Bref, on va se les faire à l'épée à deux mains. Hop. Voilà. C'était pas de si dur, hein. Tu nous as montré que tu savais te servir d'une lame et que tu avais la force de l'abattre sur des armures de nos ennemis, avec une force suffisante pour les briser. Je suis engagé, j'ai pas encore. La dernière qualité requise est l'intelligence. Un soldat privé de son capitaine doit pouvoir à lui seul terminer un contrat pour un client. La force, la rapidité, le savoir, ainsi qu'une facilité à s'adapter à toute nouvelle situation font un soldat du sang lisse. Et toi, dis-moi, penses-tu être intelligent ? Nous verrons ça. Écoute bien, abruti.
Celui qui me fabrique me vend. Celui qui m'achète, m'achète, oui, ne m'utilise pas. Celui qui m'utilise ne le sait pas. Qui suis-je? Un instructeur, non, si j'utilise, je sais. Le vent, j'utilise pas le vent. L'écu, non. Un chapeau, non plus. Un cercueil. Ouais. Une chope dans la, pour la bière, ben non. Je l'utilise. Un mensonge. Celui qui ne m'achète pas m'utilise. Celui qui m'utilise ne le sait pas. Ah non, si je mens, je le sais. Donc par contre, un cercueil, si je l'utilise, je ne sais pas puisque je suis mort. C'est ça. C'est la bonne réponse, c'est bien ça? Oui. Alors je suis pris. Oui, va voir le maître de la compagnie en haut de la tour carrée à l'entrée. C'est lui qui te remettra ton armure et ta première affectation. Pardonne-moi si je ne fête pas la victoire avec toi, mais j'ai mieux à foutre comme éduquer les gamins venus à la campagne. Venus de la campagne. Eh ben voilà, ça y est, je suis fait partie du, de la campagne. De la compagnie du Senlis, pardon. Alors, on va aller voir le gars au de la tour. S'il y a que celle-là. Ah ouais, il y a l'autre aussi. Bon. On va en profiter pour jeter un petit coup d'œil, c'est superbe. Allez. Maître de la compagnie du Senlis. Vous voilà, j'ai passé vos tests avec succès. Allez-vous me donner du travail? J'ai vu cela, ce n'était pas trop mal, je suppose. Quoi qu'il en soit, plus nous avancerons de mercenaires et plus les contrats rapporteront. Tenez, voici la brigandine du Senlis avec nos armories. Prenez-en grand soin, car un soldat n'en reçoit qu'une de toute sa vie. Portez-la fièrement et défendez nos couleurs contre nos ennemis, quel qu'il soit. Maintenant, votre patrie est le Senlis. Je devrais me battre contre n'importe qui. Rassurez-vous, nous sommes les alliés du dauphin de France, Charles VII, tant qu'il nous paye, et cela risque de durer. Mais quand nous devrons changer de camp ou remplir un contrat délicat, vous devrez le faire sans état d'âme. La devise de la compagnie est « nous remplirons le contrat, même si nous, cela nous emmène en enfer ». Êtes-vous prêt à aller jusque-là? Bien sûr, en contrepartie, vous serez très bien payé, mais cela dépend de la nature du contrat naturellement. Qu'en dites-vous? Vive le Senlis, je suis des vôtres, messire maître. C'est entendu, vous voilà des nôtres. J'ai justement une tâche à vous confier. La milice de Bourges voit son nombre et sa qualité décliner ces derniers temps à cause de la guerre et de la recrudescence des bandits. Leur effectif est jugé insuffisant par les nobles bourgeois. Ils nous ont payés pour renforcer les rangs de leurs hommes. La mission consiste à patrouiller les rues de Bourges et de montrer aux passants que nos armoiries brillent désormais dans leurs rues et qu'ils peuvent continuer à payer les lourds impôts pour leur sécurité. C'est bien compris. Nous devons aussi effrayer les brigands et les tyrolaines, mais attention, si vous tombiez dans une de leurs embuscades, nous serions ridiculisés et le dauphin lui-même réfléchira deux fois avant de nous proposer un nouveau contrat. Nous comptons sur vous. C'est entendu? Oui, messire, ne craignez rien, je vais m'armer lourdement et je serai sur mes gardes. Bien, voilà les détails de la mission. Vous devrez patrouiller dans toute la ville et vous devrez parler aux responsables de chaque quartier. Demandez-leur si tout va bien, il faut qu'ils vous voient. Entendu. Et bien sûr, ne vous laissez pas battre par les brigands ou la renommée de la compagnie se fera entachée. Il en est hors de question. Vous recevrez votre solde une fois la tâche accomplie avec succès. Au travail, soldat. Ok, alors... on va aller... Par contre, qui c'est que je dois voir? Ça, je comprends pas trop, là. Compagnie du Senlis. Hein, le maître de la compagnie du Senlis m'a donné ma première affectation, patrouiller dans les quartiers, suivant, et parler à le responsable. Le maître de la guilde, d'accord, le tavernier à la taverne, le grossiste au magasin et le contremaître dans le quartier des entrepôts. Ok, d'accord. Alors, on va aller d'abord, donc... se balader sur la place principale pour trouver le maître de guilde. Ah, je suis à pied. Il est là. Maître de guilde, j'ai un message pour vous. Le bonjour soldat, que puis-je faire pour vous aider? Je renforce la milice de votre ville. Je patrouille actuellement à la recherche de brigands. En avez-vous vu? Nous ne manquons pas de miliciens dans ce quartier. À vrai dire, ce sont des entrepôts qui nous posent le problème. Ils sont devenus le territoire des piles malfaisants de France. Plus personne ne s'y aventurait. J'étais présent à l'Assemblée quand le roi a décidé de donner un nouveau contrat à ses mercenaires les plus dignes de confiance. Avec la guerre et les maladies, le fléau que représentent ces bandits est sûrement plus que malvenu. Il est grand temps de régler ce problème. Et maintenant que je vous vois à l'œuvre, je me sens bien mieux. Dieu en soit loué. Ok, alors on va aller voir maintenant le magasinier, là, enfin le quincailler ou celui qui vend la bouffe et tout ça, hein, c'est lui, celui qui vend les marchandises. Vers le magasin, la porte est fermée. Putain de merde! Eh oui, il fait nuit. Oh putain, c'est pas vrai.
Bon, on va aller quand même à la taverne, ce sera fait. Allez à la taverne. Alors, qui c'est? Ah, puis en plus, il y a un personnage, Guillaume de Clermont. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, Morton? Non, j'ai aucune envie de me battre avec vous. Allons, ne tremble pas comme ça, l'ami. C'était juste une façon de parler. Allons, buvons. Si je bois, j'ai envie de me battre. Mais pas si je bois avec un ami. Encore faudrait-il que tu sois un ami, pas vrai? Je suis mercenaire, et bien que j'aie le sang noble, je préfère la compagnie de Soudard et Ribaud à celle de soi-disant gentilhomme, dénué de tout sens, les vraies valeurs. Pour le moment, je n'ai pas de groupe qui me convienne à intégrer. Ça me tenterait bien de vous rejoindre, bien que l'habitude ce soit les compagnies de mercenaires qui me supplient de les suivre. Qu'en dis-tu? Une lame de plus ne serait pas trop dans nos rangs. Entendu, ne t'inquiète pas, je peux marcher seul. Nous allons accomplir des exploits. Très bien, préparez-vous, nous nous mettrons en route. Avant de m'engager, il faut que je règle la dette que j'ai contractée ici. Et il ne sera pas dit que le grand Guillaume de Clermont parte en laissant quelque chose à quelqu'un. En devant quelque chose à quelqu'un. Eh bien, ça fait 300 écus en tout. Penses-tu pouvoir m'aider à rembourser? Engage de l'autre amitié, hein. Allez, je paye. Je paye. Arbalétrier 6. Non, vous êtes un peu cher, vous. Je vais parler au tavernier maintenant. Que voulez-vous boire, messire? Ou peut-être, je suis en patrouille des brigands. Vous ont-ils posé des problèmes ces derniers temps? Pas tout à fait, à part les tonneaux qui disparaissent et quelques ivrognes qui se sont estripés. Je ne me sens pas endagé pour le moment. Et ça risque pas d'arriver si la compagnie de mercenaires basée dans cette ville se met enfin à se montrer dans nos rues. C'est une bonne chose. Ok, donc je suis obligé de passer la nuit ici. Et après, je vais aller voir. Donc, on va partir comme ça. Peut-être qu'on rentrera avec... à cheval pour aller voir le magasinier. Non, à pied. Bon, d'accord, on y va. On y va, et après, donc, il me faut aller à l'entrepôt. Alors, le magasinier, allons voir ça. Vers le magasin. Allez, la porte est fermée. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, putain. C'est l'aube. Eh oui, il faut attendre qu'il fasse jour. Petit matin. Ah, ça devrait être ouvert. Ah, et puis là, ce coup-ci, je suis à cheval. Allez. Ça devrait aller un petit peu plus vite. Le magasinier, j'espère que la porte est ouverte ce coup-ci. Oui. Marchand de Bourges. Que puis-je faire pour vous, messire? Je patrouille la ville à la recherche de brigands. En avez-vous vu récemment? À vrai dire, ma boutique ne fait plus l'objet d'attaques directes depuis peu, mais plus aucune marchandise ne me parvient. Les ribauds et les malandrins de la pire espèce attaquent directement les entrepôts de la ville. J'imagine que si ils voyaient que les mercenaires tant redoutés basés dans notre ville commencent à protéger les entrepôts, cela les dissuaderait de continuer à les piller. C'est une bonne chose. Ok. Ben maintenant, donc, nous allons aller dans les entrepôts. C'est parti. S'ils sont par là, les bandits, on va s'armer. En conséquence. Alors, toujours, hein, ces décors d'enfer. Superbe. Hop, on va tourner là. Ah, oh oh, contremaître, bandit, brigand, parlez, dégage puceau, on te saigne comme un porc, n'entre pas dans nos affaires, c'est mon travail d'entrer dans vos affaires, t'auras été prévenu, connaissez-vous la devise de la compagnie, le sang des faibles coulera, ce sera le tien, tu vois, ça va être le mien, attends, tu viens toi, non tu bouges pas, eh ben voilà, rectifié. Et on va pas le contremettre. Ah, ben non, même pas eu besoin. Bon, de toute façon, la mission est réussie. Donc, on va aller sur la place Gordon pour toucher la récompense. Allez! Poussez-vous! Paf!
Paf. Voilà. Ça défoule un peu. Alors, maître de la compagnie du Senlis, vous vous revoilà déjà et cette patrouille? C'est fait, messire. Les rues étaient assez calmes, mais les entrepôts sont pleins de brigands. J'ai dû en tuer deux. Parfait, c'est du bon travail, soldat. Voici votre solde pour cette mission. Ces entrepôts sont un vrai problème. Mais nous en avons pas fini avec cela. Je sens que cela va m'empêcher de dormir. Nous en reparlerons. Vous pouvez disposer, soldat. Et il n'a pas une nouvelle mission? Avez-vous du travail pour moi? Non, il n'y a rien pour vous, peut-être plus tard. Bon. Allez à la place du marché. Là, on a quelques petits trucs à vendre. Voilà, ça et ça. On a quand même de l'argent, ce qui est intéressant. Traité avec l'armurier, ben, on va lui vendre ça. Ça va nous faire un petit peu d'argent. 78. Ok, évaluer les opportunités commerciales. L'huile, 99 à Reims, 95 à Caen et 95 à Paris. Ils ont de l'huile. Eh bien, on va aller à Paris et à Caen, la vendre. 4006, ah oui, j'ai passé. 3008, voilà. Allez, on va à Paris. Faire demi-tour. Partir. Paris et Caen. Combien on a de soldats, là, nous? 24. On pourrait peut-être recruter quelques miliciens, quand même. On les prend. Partir. Orléans. Il n'y a pas d'ennemis là. Bien. Recruter. On les prend. Allez, en avant pour Paris maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Déserteur. Infanterie lourde bourguignonne. Ah, il peut y avoir quelque chose là à faire. Ah putain, on s'en éloigne. Fait chier. De Paris. Je vais aller à Paris. Vendre. On va camper ici. Allez, go to Paris. Il y a de la bataille ici. Alors, mais ça ne nous regarde pas. Alors, place du marché. Faire affaire avec le grossiste. 1, 2, 3. Ah putain, je peux y en rendre que 3. Faire demi-tour. Recruter des miliciens. Non, on oublie ça. On file sur Caen. Et on va vendre le reste de l'huile. Oh oh, c'est quoi ça? Des écorcheurs, il faut se barrer, il faut les éviter. Voilà, ils sont évités. On se mine vers Caen, espérant qu'il va avoir assez pour tout me racheter, lui. On va d'abord se balader sur la place principale. On va essayer d'aller trouver le maître de guide, qui est là d'ailleurs, parfait. Avez-vous un travail pour moi par hasard? Je cherche un travail, je cherche quelqu'un pour livrer plusieurs unités de caisson de vin. Vous pourriez peut-être vous en charger à Orléans. 60 écus. Non, pas pour le moment, je peux pas. On laisse tomber. Alors, place du marché. Grossiste. Oui, il a de l'argent, lui. Ouais. Ouais. C'est bon, ça. Est-ce que ce forgeron aurait des carreaux d'arbalète avant moi? Parce que les miens, ils sont pas super, plus 1 aux dégâts. Il a pas l'air. Hein. Il y en a pas. Ok.
on fait demi-tour. Évaluer les opportunités commerciales. Alors, acheter fer ici, le rendre à Cherbourg. 29, écu, fourrure 16 à Auxerre et à Lyon, fourrure 16. Ouais, mais le fer, il en a pas. Bon, eh ben tant pis. Allez, on se barre. Faire demi-tour. Partir. Et c'est là-dessus que nous allons nous laisser pour cet épisode. Je vous dis à tous à la semaine prochaine. Et à bientôt sur mondouspellicus.fr. Ciao, ciao. Alce la besas capas.